Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Bienvenue dans ce samedi des Lions du Sénégal face à l'Angleterre. Guinée Sadio Mané n'a pas marqué, mais Liverpool gagne 2-1. Liverpool a un Manchester City de 11 points. Chef Kouyaté, toujours titulaire dans le milieu terrain de Crystal Palace. Nous avons fait que Burnley 2-0 avec un excellent Chef Kouyaté, toujours performant au milieu de terrain de Crystal Palace. Tottenham, bon move, 3-2. Southampton, Watford, 2-1 pour Southampton. Remontada pour Southampton face à Watford. Watford, un événement. Premier but d'Ismaël Essar sous le maillot de Watford en Premier League. Donc vraiment, ça c'est une bonne nouvelle. Gisèle Ismaël Essar, vraiment, il a marché bas. Il a joué tout le match et Ismaël Essar a été remuant, tonitruant, sur la pointe de l'attaque de Watford. Donc avec Gérard Deulofeu, l'ancien joueur du Barça, donc Ismaël Essar a marqué des points, même si des fois, il a eu des erreurs. Parce que des fois, des hier passes. Il tarde à donner le ballon alors que le football anglais était très rapide. Il faut le voir améliorer la spontanéité, tel est le ball. Comme ça, il pourra donc accélérer les contre-attaques de Watford. En tout cas, il a marqué son premier but. Erreur d'appréciation de Stephens et ça, avec sa pointe de vitesse, file devant les buts pour battre donc, le gardien des Saints. Donc, 1-0. Mais Watford n'a pas pu tenir parce qu'ils ont défendu tout le match et ils ont fini par craquer. Donc Ismaël Essar, premier but, ça c'est la bonne nouvelle en Angleterre. Mais toujours, Watford est toujours bon dernier du championnat. Donc Folletti Espagne, Eibar, Pape Kouli Diop, Real Sociedad, Molen d'Or, 4-1. Donc ils ont aussi Folletti France, donc il y a des Sénégalais qui ont bien joué. Hein, comme Habib Diallo qui a marqué son 9e but en 15 journées. Habib Diallo a permis donc à Metz de revenir de Nîmes avec un point. Donc Habib Diallo a démarré de même que Opanguet. Donc Ibrahim Niang a démarré la rencontre sur le banc. Donc Sidi Sarr aussi est rentré à la fin de la rencontre, à la 87e minute de jeu pour Nîmes. Donc Folletti Reims, il y avait un duel entre Sénégalais, entre Youssouf Sabali et Boulaye Dia. Donc Youssouf Sabali a démarré la rencontre sur le banc, mais Douna remplaçant à la 62e minute de jeu. Donc ça, c'est le retour de Youssouf Sabali. Donc une très bonne nouvelle pour le football sénégal. Donc Nice, Racine Koli, qui est resté sur le banc avec Nsoki. Nsoki, Modugué Paris, Niaou, Dil Place, Racine Koli. Donc Racine Koli, il faut que Moutokani, Pachalingom, Ridge Bugget, s'il veut revenir titulaire. Mais Douna remplaçant à la 79e minute de jeu face à Angers, où Sadio Diop a démarré comme titulaire, mais ils ont été battus par Nice de Racine Koli 3-1, avec des buts de Lusamba Maulida et de Kasper Dolberg, donc l'international danois. Donc Montpellier Bou Souleymane Camara, Modor Amien Bou, Moussa Konaté, sans Moussa Konaté, toujours en convalescence, en reprise de forme. Donc 4-2, Gisnène aussi, Dijon Bou Alfred Gomis, Lille Moko Patel, 1-0, avec un penalty du Nigérian Victor Osimhen. Foyt Angleterre, donc Charlton Athletic bou Mohamed Nabi Sarr titulaire, Sheffield Wednesday moko fek dor ko 3-1. Donc Famre Diédjou et Bristol City ño dor Huddersfield Town 5-2 sans un but de Famre Diédjou. Donc Famre Diédjou 5 buts le Bristol dougal, mais mom jot so sax dougal ben. Donc ça c'est pas une bonne performance pour Famre, mon na am sax ñaar ci match bi participer à la fête quand même de Bristol City. Donc Folletti deuxième division Angleterre avec Stoke City, Blackburn Rovers moko fek dor ko 2-1, donc 2-1 en ligne d'or. Donc Pape Ndiaye jouait, il est resté sur le banc. Mambirem Diouf Dougouna remplaçant à la 63e minute de jeu. Donc ici la Ligue de France, 3 buts Pape Ndiaye Soare et Pape Mai Saba. Pape Ndiaye Soare était titulaire sur le flanc gauche de la défense des 3-1. Pape Mai Saba, ancien attaquant de Dakar Sacré Cœur, Dougouna remplaçant à la 29e minute de jeu. Ils ont battu Sochaux 1-0. Donc c'est l'équipe de Omar Daf. Donc Sochaux qui a vu Ousseynou Djoum écopé d'un carton rouge. Donc avec cette victoire, 3 remonte à la 4e place, 29 points. Sochaux, 25 points, 6e. Le Havre de Djamal Thiaré, 25 points. Guinéen Sochaux, ils sont à actuellement 6 points de Lens, 2e. Donc, Guinéen Sochaux et Omar Daf, actuellement, ils ne sont pas en très bonne forme. Donc, Feuille de Belgique, donc, à mon avis, Sénégalais, ils jouent, hein, comme Charles Roy, Moumoudou Fall, Modor, Waslan Beveren, 2-0. Kerpen Diarte et Bruges sont imposés face à Mouscron Pervels, 1-0. Feuille de 2e division Allemagne, Dynamo Dresden, Bou Moussa Kone a été battu à domicile par Holstein Kiel, 2-1. Donc, Moussa Kone, il a de bonnes performances individuelles, mais collectivement, vraiment, Dynamo Dresden donc ne fait pas l'affaire en Allemagne, 2e division. Il se peut que il faut que nous changer de club pour pouvoir donc revenir dans le très haut niveau, parce que quand même, c'est un bon attaquant, mais quand même, beaucoup n'est que 2e division Allemagne, feuille de Dynamo Dresden, ses performances resteront vaines parce que, quand même, il a la capacité de faire la différence et donc de venir jouer en équipe nationale du Sénégal. Mais il faut que nous changions de club. Donc, le vendredi, Salucis a donné une passe décisive pour Matar Gueye. Donc, Feuille de Nancy, deuxième division. Donc, Salucis a délivré une passe décisive
à Matargué, donc Sarri 6, passé Desi, Matargué, buteur, donc Nancy, bat Paris FC, 2 buts à 0. Donc Joseph Romeric Lopi a réalisé un doublé, match nul, Auxerre, Orléans, 2 buts partout. Donc Mugayen Ndiaye, Warul Tid, Warul, Ragal, Ismaël Assar marque son premier but en Premier League. Ça, c'est l'événement du week-end du côté des Lions du Sénégal. Ismaël Sarenbe. Donc, Blamoyte, je vais parler du football local. Donc, Challenge Trophy, trophée des champions. Donc, début du championnat, Gisnene, quand même, Djaraf, Modo Tengue FC, 1 but à 0. Moi, Challenge des champions, moi, le tournoi organisé par la Ligue professionnelle de football sénégalaise pour préparer le championnat qui va démarrer le week-end prochain, le 7 décembre. Donc, final, Djambar Modor Goré, 1 but à 0. Donc, Djambar est champion, premier champion du challenge des champions. Donc, Orka Pikin, zone 7, Yembel, demi-finale, Nerlé, Komiko, 4. Donc, Nerlé, Modor, Komiko, 4, Tirobi, 6, Tirobi, à 5. Donc, Nerlé, ils se qualifient en finale. Santibi, Bok Halat, 0 but partout. Et Tirobi, Santibi, Dor, Boko Halat, 4 buts à 2 au tir au but. Donc, Orcaf Dakar, zone 3, HLM, Biscuiterie, demi-finale, HLM 5, 8, HLM 5, Modo Cité Bissap, 8 à 1. Donc, ça, c'est un large score. Nimzat, Mopatel Koloban, 1 but à 0. Donc, vous savez, finale, HLM 5, Moïdalek, Nimzat, donc, Orcaf Gedjoy, zone 3, demi-finale. Donc, Kade Walidan, Modo Momsereu, 3 buts à 0. Senior, Tiedo 80, Modo Gunei, Gunas, donc 1 but à 0. Donc c'est deux gis nañ actuellement ñu formant, ils ont remporté la phase zonale donc de la zone 3 de Guédiaway. Donc ces informations ont été relayées par le grand journaliste l'envoyé spécial de Grégoire au niveau des navettes de Dakar, Mohamedou Lamine Diop. Donc Mohamed Lamine Diop ma lay bégué bu baaxa baaxa baax. Donc gis nañ quand même navettes ci lañ bokk, hein. On va essayer toujours de donner des informations par rapport aux navettes du Sénégal. Programme du jour, Alassane Djigo, demi-finale, zone 3, Pikine, Mangogui face à Yakar. Yakar, le club de Momo Faye, le jeune retraité Momo Faye. Donc Yakar et Mangogui. Guinaw Rai face à Djamo. Donc ça sera, donc voici les demi-finales de la zone 3 de Pikine, la zone de Mondiaye, Chelsea, Borom, Dego, Dom Gane Ndiaye, Warul Tid, Warul Ragal.